Assalamu alaikum. Donc, nous allons commencer officiellement l'épisode numéro 1 du Piglanta saison 2020 avec ces super candidats et les stars. Je commençais déjà à croire que vous êtes des stars avec ce teaser, mais je vous annonce que les choses sérieuses vont commencer maintenant. Alors, pour rappeler aux gens qui vont vous regarder, je vais juste mettre sur l'écran le thème du jour. Alors, chers spectateurs, chaque épisode, il y aura un thème. Et là, par exemple, vous voyez le thème 1, c'est une histoire de vie ou de mort. Le thème 1, une histoire de vie ou de mort. Je vais poser la question au candidat. Ça vous dit quoi, ce thème-là, déjà, par rapport à... On va aborder quelle pathologie aujourd'hui? Comment? L'arrêt peut-être, quoi d'autre? Ça peut être la traumato-vitale. Oui, quoi d'autre? Les urgences obstétriques. Peut-être obstétriques, qui dit mieux. Les états de choc. Les états de choc. Pas la suite. Les gestes salvateurs. Les gestes salvateurs, les secourismes. Possible. C'est bon. Flemzien, tu es très attiré. Très bien. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de vous annoncer déjà le thème, mais après vous avoir séparé en deux groupes. Alors maintenant, je vais créer les deux groupes. Donc, je vais vous diviser en deux groupes et je vais le faire manuellement. D'accord? Allez. Donc, ça devient... Alors, comment je peux ajouter une salle? Option. Alors, qui est dans le citron déjà? Alors, il y a, je vais mettre Selma, Badal, Rita. Oui. Framboise. Je parle de framboise d'abord. Selma, Badal, Rita, Hamza Bourkno, c'est le coach, Poutri, Yak. Ensuite, Mouad. Ensuite, Mariam Alami. Ensuite, Fatem Zahra. Et ensuite, Wahib Lahlou. Ça marche? Oui. Donc, la deuxième, c'est ce qui reste. Tessar, Maroufi, Montassir, Moulerchid, Outman, Omeima, Sachoukli, Yasmi et Zid. C'est bon? C'est bon. Donc, on va ouvrir toutes les salles. Je vais parler à un groupe et l'autre groupe, il m'attend. Ça fait? Très bien. Maintenant, avec l'équipe des framboises. D'accord? Alors, oui. Comment ça va se passer l'épreuve du confort? Il y aura 11 questions de suite. D'accord? 11 questions. 11 questions. C'est des crocs. Voilà qui? Dans un roulement défini par le coach. C'est le coach qui va définir qui commence le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. D'accord? Je vais poser les mêmes questions pour toi. Et celui qui a six bonnes réponses mieux que les autres, il a gagné. Parce qu'il y a 11 questions, d'accord? 11 questions, d'accord? Comme si vous stanziani par rapport à vous gagnez.
Il y a un tchadoul 5-5. La dernière question, elle est posée au coach, c'est la plus difficile. La dernière question, elle est posée au coach. Donc, je vous laisse maintenant et je reviens. Et pour le thème? En revenant, monsieur le coach, tu me dis l'ordre qui va passer en premier. Ça fait? À tout à l'heure. Ok. Vous avez compris, hein? Oui, oui, c'est bien. Ah bien, je pars chez les autres. Alors écoutez, pour l'épreuve du confort, vous avez 11 questions. Pour répondre à 6. Le prof a annoncé le thème, donc je passe. Vous avez 11 questions. Vous avez 11 questions. Je n'ai pas encore annoncé le thème aux autres. Vous devez répondre à 6 mieux que les autres pour gagner, d'accord? Alors écoutez, c'est le coach qui va définir l'ordre de passage parce que comment il joue, comme c'est bien, ça marche? Ok. Donc je vais commencer. Marofi, m'a dit que tu as entendu? Marofi. Le coach, il y a un commando, la connexion après là. Compris. Ouais, il a une autre. Ah, Mehdi. Oui, Oustad, le problème de... Ouais, coach Assad, chauffe, écoute. Tu vas définir l'ordre du passage. 11 questions. Tu vous êtes à égalité. L'Oustad, on a 4 jeux en plus. Non. S'il y a égalité, la 11e question, ça va être posée au coach. C'est la plus difficile. La 11e question, ça va être posée au coach. C'est la plus difficile, d'accord? Voilà, je pars aux autres. Ok. Parce que moi, je note en même temps sur mon téléphone. À tout à l'heure, regardez, ne partez pas. Question radio qui est du coup, on a un chléoué. Bon. C'est le code. Fini, Flo. Oui, Youssef. Oui, Youssef, vous êtes en train de faire le ciné. Non, je suis en train. Écoutez, quand je pars chez les autres, vous restez bien, comme ça fait. Oui. Allez, Hamza, qui commence? Hamza, qui commence? Qui commence? Wahib. Non, Wahib, je pose la question à monsieur le coach. Qui commence? Wahib. Wahib, tu vas répondre à la première question. Allez, go. Là. Wahib, tu dois citer 3 critères diagnostiques de l'arrêt cardiaque. Tu as 10 secondes. Allez. 3 critères de l'arrêt cardiaque. Une respiration. Après 10 secondes, tu réponds. On ne bouge plus, il ne bouge plus. Respiratoire. Alors, Wahib, ta réponse. Absence de peau, arrêt respiratoire et incontinence. Réponds à ta question, je mets ma chimzienne. Oui, Hibel, tu sais. Perte de conscience, absence de peau. Donc, tu as dit perte de conscience. Perte de conscience, arrêt respiratoire et absence de peau. D'accord, très bien. Deuxième question. Qui va répondre à la deuxième question? Boutril. Boutril. Oui. Oui, monsieur. Deuxième question, Boutril. Citez 3 bonnes raisons qui font que l'alerte est prioritaire chez l'adulte en arrêt cardiaque. Pourquoi il faut alerter en premier? Allez-y, vous avez 10 secondes. Citez 3 bonnes raisons qui font que l'alerte est prioritaire chez l'arrêt cardiaque. Allez-y. Monsieur, je réponds? Oui, bien sûr. Alors, appeler l'aide pour le massage cardiaque, avoir un défibrillateur et massage cardiaque, fibrillateur, transport vers l'hôpital. On va voir. Très bien. Qui va répondre à la troisième question? Selma. Selma.
La troisième question pour Selma. Citez les deux mécanismes d'efficacité du massage cardiaque externe. Mécanisme d'efficacité du massage cardiaque externe. Oui. Je réponds, allez. Il faut avoir une profondeur de moins 3 à 5 mm. Bon, ça, c'est la technique. Comment le massage cardiaque est-il efficace? Comment tu expliques l'efficacité du massage cardiaque? C'est le tracé et la fréquence cardiaque. Oui. Là, c'est-à-dire la physiopathologie du massage cardiaque. Pourquoi on le fait justement? On le fait pour avoir une reprise de circulation avec la circulation au niveau cérébral. Et comment est-ce possible justement? C'est le remplacement de la pompe du cœur. Comment on appelle ces mécanismes? Le passage du flux au non-flux. Comment est-ce possible justement? Les battements, Pas mal, pas mal. Allez, on va passer à la question numéro 4. Qui répond en quatrième? Mouad. Mouad, c'est à toi la quatrième question. Explique-moi les différentes techniques de massage cardiaque. Comment on le fait? Allez. Donc, on applique le talon de la main en intermamelonnaire. Oui. Et on va en rythme à 100 à 120 battements par. Donc, 100 à 120 compressions par minute et que le rythme et que le temps de compression soit le même que le temps de décompression. Oui. Et donc, si le patient n'est pas en milieu hospitalier, qu'il y a une insufflation à entre chaque 30 cycles. Oui, quoi d'autre? Entre deux insufflations. C'est tout? Des précisions, peut-être techniques? Le plan doit être dur. Oui. Ici, on dispose d'un défi. Non, c'est tout? Oui. C'est tout? Très bien. Alors, Hamza, qui va répondre en cinquième position? Alors, vous laissez une chose, c'est Fatem Zara. Fatem Zara, citez trois moyens permettant la réalisation des insufflations de base. Citez trois moyens permettant la réalisation des insufflations de base. Le bouche à bouche ou la ventilation en masse. Oui. Et comment? L'intubation. L'intubation, c'est pas une insufflation de base. Très bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous quitter. Vous reposez, marquez une autre question. Je vais reposer une question aux autres. Ça fait? Ça vous va? Oui. Et alors, à tout à l'heure. Allez. Ça. Ça, vous allez, non? Alors, Mehdi? Mehdi, je pense. Mehdi, Mehdi, tu m'énerves avec ta... Oui, monsieur. Oui, et le stade. Comme ça, comme je disais, je t'entends très bien. Il va commencer en premier. Alors, je ne vais pas avoir la question en premier lieu. Là. D'accord. Intiessar. Intiessar, vas-y. Alors, la première question, c'est pour Intiessar. Intiessar. Citez trois critères diagnostiques de l'arrêt cardiaque. Citez trois critères diagnostiques de l'arrêt cardiaque. Vas-y, c'est ça. Donc, le l'inspiratoire et les cliniques. Donc, le patient qui présente qui ne respire pas ou qui présente des gaz respiratoires, c'est-à-dire une respiration efficace. Oui. Et donc, avec à force de profondeur en moins 10 secondes, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Très, très bien, c'est ça. Bravo. Qui va passer en deuxième?
C'est, pardon, excusez-moi. Alors, celui qui va passer en deuxième, c'est... Mehdi, garde ta connexion, s'il te plaît. C'est énervant. Mehdi, tu passes en deuxième. C'est Othman. Othman. Othman, c'est lui qui passe en deuxième lieu. Othman, écoute. Oui. Si tu as trois bonnes raisons qui font la galère, trois bonnes raisons. Je suis voir quelqu'un l'audio, au parleur. Si tu as trois bonnes raisons qui font que l'alerte est prioritaire chez l'adulte en arrêt cardiaque. Alors, la première raison, c'est qu'il nous faut un défibrillateur. Okay. La deuxième raison, c'est qu'à un moment, on va se fatiguer, donc on ne peut pas enchaîner plusieurs cycles sans alerter. Oui. Et qu'on aura besoin aussi d'une réanimation spécialisée. Oui. Alors, la troisième raison, c'est qu'on aura... Elle est la première raison, Othman? La première raison, c'est... Répète ta question. La première raison, c'était quoi? Alors, la première raison, c'est que tout d'abord, on aura besoin d'un défibrillateur. Très bien. La deuxième? Alors, la deuxième, c'est alerter les secours pour recevoir le patient. Troisième? La troisième, c'est qu'on aura besoin d'une réanimation spécialisée. Ok, si tu veux. Si tu veux. Allez, on va passer là-bas à la troisième question. Mehdi, qui passe en troisième position? Mehdi? Zineb, mon Ershid. Alors, Zineb Kaza. Zineb, mon Ershid. Zineb Kaza, tu dis Zineb Kaza. Alors, il est où, Zineb? Oui, professeur. Citez les deux mécanismes d'efficacité du massage cardiaque externe. Le massage cardiaque externe, il y a deux mouvements. Il y a la compression et la décompression. Donc, la compression, ça agit par l'intermédiaire. C'est le mécanisme de la pompe cardiaque. Et la décompression, ça agit par le mécanisme de la pompe thoracique. Donc, la compression, ça remplace la systole. Et la décompression... Allez, en quatrième position. Je connais Mehdi. Parce que c'est un chapeau. Monte la serre. Allez, Marak, Marrakech, tu vas m'expliquer les modalités du massage cardiaque externe. Vas-y. Alors, pour le massage cardiaque externe, le patient doit être en décubitus dorsal strict sur un plan dur. Oui. On doit dégager les épaules. Oui. Puis, on doit mettre. On doit mettre la paume de la main, une paume de la main sur la face postérieure de la main, puis poser la paume au niveau du sternum du patient. Oui. Les coudes bien verrouillés en extension. Oui. Puis on débute le massage cardiaque. Les compressions doivent venir des épaules. Oui. À rythme de 30 compressions et 2 insufflations chez l'adulte. Oui. Et si possible, si on a deux personnes, 15 compressions et 2 insufflations chez l'enfant, oui. À un rythme de 100 à 120 battements par minute. Oui. Et tout? D'accord, très bien. Allez, qui va répondre en cinquième position? Mehdi? Mehdi? Zineb, Zineb. Notre Zineb. Zineb Rabat. Zineb Rabat, elle est là. Alors, Zineb Rabat, citez trois moyens permettant la réalisation des insufflations de base. Trois moyens, soit que on utilise le bouche à bouche, ou bien le masque facial, ou bien le pocket mask. Ok, j'approuve. Alors, les cinq premières questions, vous êtes en avance.
Pour les 5 premières questions, vous avez un score de 3 à 1 et égalité fouhda. Ça fait, je vais partir leur annoncer la mauvaise nouvelle pour le moment, mais il reste toujours 6 questions. Restez concentrés. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez. À tout à l'heure. Hamza, oui. J'ai une petite mauvaise nouvelle pour vous. Allez. Sur les 5 questions, et ça on avance 3 à 1, et vous êtes en égalité sur une réponse. Et sont en avance 3 à 1 et vous êtes égalité à une réponse. Ça fait donc il faut 3 à 1. 3 à 1 et égalité pour Hadda. Alors je vais vous dire, pour la première question, c'est les gens qui ont gagné. Kessar a mieux répondu que Wade. Pour la deuxième question, c'est vous qui avez gagné. Uthman Dejon a moins répondu que Hamza. Pour la troisième question, Zineb Dejon a un peu mieux répondu que Selma. Pour la quatrième question, Bhal Montasser, Bhal Mouad. Ils ont répondu de la même façon. À la cinquième question, Zineb de Rabat a un peu mieux répondu que Fatem Zahra. C'est bon? Mais rien n'est perdu. On part pour la sixième question. Alors, Mehdi, qui va passer en sixième question? Mehdi? Badr. Piniflo, qui va passer? Badat, Pedro? Allez, Pedro, citez-moi 6 avantages de la défibrillation automatisée externe. Allez, premièrement, ça permet de libérer les mains du masseur. Oui, il ne va pas masser le défibrillateur à sa vie. Non, avec le sujet de quantité masseur, ça. Non, je ne prends pas ça comme avantage. Ça n'a rien à voir. Vite. Quand on a un poil, le rythme. Oui. Est-ce qu'on doit choquer ou pas? D'accord, Gilti a le rythme, quoi d'autre? Ok. Il est plus efficace? Non, pas un avantage. Un meilleur temps de survie? Non. Alors, Péniflo, qui va répondre à la septième question? Rita. Oui. Rita Omari. Rita, oui. Tu me dis si tu as à faire une défibrillation automatisée externe. Le lieu public, il y a 2 contre-indications. Lesquelles? Si tu as un arrêt cardiaque, la rue, il faut faire attention. Quand est-ce qu'il ne faut pas la faire? Des choses spécifiques au lieu ou là, au patient enfin. Ben, au milieu. Je suis là, en deuxième année. Yeah. Je me rappelle très bien quand j'avais fait un schéma, Flanfi. Si il y a de l'eau autour du patient, et si et, il et est, la deuxième il a qu'un, et s'il y a de l'eau. Et la deuxième et dans le cas où il risque d'y avoir des interférences électriques avec le défibrillateur. Par de l'eau et la deuxième. Il faut faire attention au milieu s'il y a du métal ou un plan métallique. Très très bien, bravo. Allez, huitième question. Qui va passer Piniflo? Mariam, notre Mariam. Mariam, très simplement, tu vas me dire l'adrénaline dans l'arrêt cardiaque. Quand est-ce qu'il faut la donner et la posologie? Vas-y. Donc, pour les indications, c'est directement en cas d'asystolie. Sinon, c'est après 3 défibrillations. Si échec de 3 défibrillations. Pour la posologie, c'est 1 mg. C'est 1 mg chaque 3 à 5 minutes. Excellente réponse. Ouais. Alors, Piniflo, qui va passer? Donc. Bien, qui va. Les Breyhaus.
Wahib. Wahib, tu es prêt? Oui. Wahib, le sulfate de magnésium dans l'arrêt cardiaque, quand est-ce qu'il faut le donner? Quelle posologie? Alors, on le donne en cas de torsade de pointe. Oui. Et pour la posologie, c'est 2 grammes en intraveineux. Si tu veux, très bien. La dernière question, Piniflo, c'est à qui? Yalla, vas-y, Mariam. Mariam, encore? Allez, bonne tactique. Mariam, tu vas me citer rapidement, rapidement. 6 à citer. Allez, go. Alors, pour les CISH, on a l'hypoxie, on a l'hypokaliémie, l'hyperkaliémie, on a l'hypoglycémie, on a l'hypovolémie et l'hypoxie. Pour les citer, on a la thrombose. Il y a l'agglutine 5, barquin 6. L'acidose, H+, acidose. Pour les citer, on a toxique, traumatique, thrombose cardiaque, thrombose pulmonaire, oui. Tamponade, oui. Et pneumothorax. Très bien, bravo, bravo. Alors la 11e question, c'est pour le coach, obligatoirement pour le coach. D'accord. Fini, Flo, tu es là? Yes. Tu vas me dire 6 spécificités de la RCP chez la femme enceinte. Donc, c'est le massage cardiaque qui doit être réalisé un peu plus haut, en décubitus latéral gauche. Les massages, il doit être fait sur le côté gauche. Il faut, quand on défibrille, il faut enlever la ceinture de RCF et l'extraction fœtale est urgente après 4 minutes pour la mère. Barkin juge. Rapidement intubé parce qu'il y a un risque d'inhalation. Baqi wahda. Vas-y coach. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je pense que vous avez récupéré pas mal de choses. On va voir de l'autre côté. J'arrive, d'accord? À tout à l'heure. Merci pour tout, Mehdi. Allez, merci pour tout, Mehdi. Allô, Mehdi. Mehdi. Oui, Oustad. Qui passe en 6e position? Fed. Fed. Alors, la 6e question pour Fed. Fed, cite-moi 5 avantages à la défibrillation automatisée externe. Alors, 5 avantages à la défibrillation automatisée externe. Il permet d'analyser le rythme pour savoir si c'est un rythme choquable ou non. Ok. Si c'est un rythme choquable et nous permet... Il nous permet de récupérer une fibrillation ventriculaire. Mm-hmm. Il est possible de la faire en milieu extra-hospitalier. Très bien. Elle est facile à utiliser. Elle peut être manipulée par un personnel non médical. Oui, très bien. Très bien. Ok. Alors, elle est accessible aussi dans des centres, au niveau des, par exemple, des centres commerciaux ou là. Des surfaces publiques, des lieux publics. Très bien. Qui va passer en 7e? Mido. Mido. Yasmine. Allez, Yasmine. C'est Yasmine qui va passer. Yasmine, écoute, tu vas me citer les contre-indications. Quand est-ce qu'il ne faut pas utiliser le DSA dans un milieu public? Il faut faire attention à deux situations. Lesquelles? Là-bas.
هذه كيسيون دو سكوريد مالي مثلا لقيتي شي واحد داير اري كارديك في الزنقه وجابوا لك ديفيبريلاتور يفو في اتونسيون دو شوز Si la pacemaker c'est pas une contre-indication en fait, il faut juste décaler les palettes. Non, pas une contre-indication. Ok, on verra ça le débrief. Ça fait, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Mido, qui va passer en huitième? Au même. Ah, les mitochondries, l'adrénaline dans l'arrêt cardiaque. Quand est-ce qu'il faut la donner et quelle posologie? Alors, on injecte dans le pouls. Allô? Oui, au même. Alors, on injecte directement. Oui, alors on injecte directement dans la systolie. Après l'échec du troisième choc dans la fibrillation ventriculaire, on injecte à 1 mg toutes les 3 à 5 minutes. Bravo. Qui va passer en 9e? 7. Je compte 7. Alors, 7, le sulfate du magnésium dans l'arrêt cardiaque. Quand est-ce qu'il faut le donner et la posologie? Alors, quand on a un contexte d'hypomagnésémie, à savoir une torsade de pointe à l'ECG, oui. La posologie, on donne. Je ne me rappelle pas, je suis un milligramme. Non. Ok, on passe à la deuxième question. Qui va passer? Yasmine, très très bien, bravo. Yasmine, rapidement les 6 sollicités. Allez. L'hypoxie, l'hypovolémie, l'acidose, l'hypercalémie, l'hypocalémie, l'hypothermie accidentelle. Je répète. L'hypoxie, l'hypovolémie, l'acidose. L'hypothermie accidentelle, l'hypoglycémie, l'hypercalémie, l'hypocalémie. C'est bon, Cisa, citez. C'est bon. Et citez les tamponnades gazeuses, tamponnades vraies, thrombose coronaire, thrombose pulmonaire, embolie pulmonaire, oui. Les toxiques, traumatiques. Voilà. Alors, la 11e question, c'est pour le coach. La plus difficile. Vas-y. Citez 6 spécificités de la RCP chez la femme enceinte. Très bien. Alors, chez la femme enceinte, il y a les particularités du massage cardiaque, de la réanimation cardio-pulmonaire. Alors, la première chose, il faut enlever le RCF et la tomographie. Oui. Deuxième des choses, qu'il faudra une femme enceinte, de toute façon, elle est un peu précocement. Il faut le massage va être aussi tué. La clinacandule en son mammaire d'abeille va être aussi tuée. Aussi, il faudra la mettre en décubitus latéral gauche pour libérer la compression utérocave, donc le syndrome de l'effet pot zéro. Et il faut bien évidemment, par la suite, il faudra faire une extraction fœtale en urgence pour sauvetage maternel. Ouais. Alors, il y a l'URCF, tomographie, décubitus latéral gauche. Il faudra. Non, attends. Tu as dit 4. Je vais recommencer. Vas-y. Alors, non, j'ai dit l'URCF, tomographie, décubitus latéral gauche pour libérer syndrome utérocave. Le massage cardiaque externe doit être aussi tué. L'intubation doit être précocement faite. Et qu'il y ait un portage maternel, qu'il y ait une extraction fœtale. Bon, c'est pas grave. Maintenant, on va faire, on va débriefer tout ça parce que c'est d'apprendre. Parfait? Allez. Ok.
Toto. Oh. Toto, ça va? Comment ça va? Toto, comment ça a été cette première épreuve de confort? C'est pas très confort. Alors, on va débriefer, allez, parce qu'on est là pour. À chaque fois que tu connais les bonnes réponses, quelle est une bonne, ça fait? Alors, Toto, tu es là? Oui. Alors, chaque fois, tu vas noter les scores. Qui a fait quoi? Ça fait? Ça marche. Chauffe, les rouges? Oui. Ou malframboise? D'accord. Et jaune ou mal citron, ça fait? Ça marche. Alors, écoutez, les trois critères diagnostiqués de l'arrêt cardiaque, hein, c'est l'inconscience ou survenue de convulsion, parce que le patient peut convulser juste avant. Deux, c'est l'absence de mouvement respiratoire ou gaz. Plus ou moins, l'absence du pouls carotidien chez l'adulte, c'est pas obligatoire. Alors, Toto. Oui. Tu vas donner un point pour les citrons. D'accord. Même si ça a un peu mieux répondu que Wade. Pourquoi il faut alerter rapidement? Pour trois bonnes raisons. D'abord, pour avoir rapidement un DAE. Et tout ça dit, mais pour ne pas interrompre le massage cardiaque. Troisième bonne raison, pour avoir de l'aide pour continuer la réanimation cardio-pulmonaire spécialisée. Alors, Toto, le point oui. Pour la framboise. Le point pour la framboise. Ça marche. Quels sont les deux mécanismes d'efficacité du massage cardiaque externe? C'est les deux théories, la théorie de la pompe cardiaque et la théorie de la pompe thoracique. La pompe cardiaque, ça veut dire quoi? Quand on va comprimer le cœur, ça va pousser le sang vers le cerveau. Ça reproduit la systole. Quand on va relâcher, la pression négative qui se crée, ça va aspirer le sang. C'est la théorie de la pompe thoracique. La conjonction des deux théories va entraîner une perfusion cérébrale. Alors, Toto, le oui. point, c'est pour les citrons. Ça marche? Ça marche. Pour le massage cardiaque externe, il faut le réaliser avec les talons de la main. Les coudes tendus entre les mamelons, 100 à 120 compressions par minute, et la profondeur 5 à 6 cm. Ce qui est important, c'est que la compression, c'est d'être de la décompression. Maintenant, je compresse tout et là, maintenant, je décompresse tout. Si possible, plan dur et perpendiculaire. Alors, Toto, il y a une égalité ici. Les deux ont répondu presque de la même façon. C'est bon? Pour les deux. Pas de points attribués. Okay. Quels sont les trois moyens permettant la réalisation des insufflations de base? Trois moyens. Le bouche à bouche, que je ne vous recommande pas trop. Le pocket mask et l'interface faciale. Le fil transparent qu'on peut faire. Et cette fois-ci, le point pour les citrons. Ça fait? C'est bon. Citez 5 avantages de la défibrillation automatisée externe. D'abord, il est facile à utiliser. Il peut détecter la fibrillation ventriculaire. Alors, écoutez, il détecte la fibrillation, pas la systolie. Ça fait? Il y a une fatigue glucose choc conseillée. Ça veut dire qu'il y a une fibrillation. Il ne va pas détecter la systolie. Il peut délivrer une onde biphasique, l'onde Tetchi ou Tetchi. Ça va donner moindre énergie avec une meilleure efficacité. Il est autorisé pour le grand public. Et surtout, il n'a pas été dit, il donne des instructions pour guider la réanimation cardio-pulmonaire. Peut-être les instructions pour guider la facilité d'utilisation. Facilité, il y a une de l'oul. On va dire que c'est haka, c'est haka ou c'est haka. C'est bon? Donc, ici, c'est toujours les citrons. Un point pour les citrons. D'accord. Un point pour les citrons encore. Ça fait? Ça marche. Oussam, s'il vous plaît. Oui. Pour,
parle de défibrillateurs externes, il y a aussi ceux qui délivrent une onde uniphasique. Il y a canon automatique, non? La plupart des bas, c'est des biphasiques. Par contre, la question, c'est quoi? C'est les mécaniques. Pour les mécaniques, ils peuvent être mono et biphasiques. Alors, quelles sont les contre-indications quand vous êtes dans un lieu public? Il ne faut pas réaliser la défibrillation et qu'il y ait un haut-parleur. Je ne connais pas le haut-parleur. Allez. Alors écoutez, quand le malade est sur une surface métallique ou sur une surface mouillée, il faut d'abord le retirer de cette surface. Ad, vous faites la défibrillation, d'accord? Donc deux contre-indications, la surface métallique et la surface mouillée. Toto, oui. Deux points pour la framboise. C'est bon? Rita a très très bien répondu. Allez, l'adrénaline dans l'arrêt cardiaque. Dans la systolie, on va la donner d'emblée. Dans la fibrillation ventriculaire, il ne faut pas la donner d'emblée parce qu'il y a aslan un effet pro-arythmogène. Donc, on va la donner après l'échec de 3 chocs. Donc, si vous faites le choc 3 fois, je donne et l'adrénaline pour garder le malade en fibrillation, mais aussi la cordarone. La dose est 1 mg toutes les 3 à 5 minutes par voie intraveineuse ou intra-osseuse. Toto, il y a une égalité parfaite entre Romaima et Meliem, donc pas de note. Les deux, ils ont très très bien répondu. C'est bon? C'est bon. La deuxième question, le sulfate de magnésium dans l'arrêt cardiaque. Alors, notez bien, 3 indications. Soit que c'est une situation qui arrive sur un terrain d'hypomagnésie. Soit que le rythme initial, c'est une torsade de pointe. Ou quelle est la troisième indication? C'est l'intoxication au digitalique. La posologie, c'est 2 grammes en intraveineux sur 1 à 2 minutes. Donc, je vais attribuer le point à la framboise. Oh, framboise. Ça marche, c'est bon. Les sylvacités. Hypoxie, hypovolémie, H+, acidose, hypohypercalémie, hypoglycémie, hypothermie. Traumatisme, toxique, thrombose coronaire, thrombose pulmonaire, tamponade vraie, tamponade gazeuse. Ça marche? Et là, je ne donne aucun point parce que les deux, ils ont dit la bonne réponse, aussi bien Yasmine que Marie. Ça marche? Ça marche. La dernière question des coachs. Citer 6 spécificités de la RCP chez la femme enceinte. Alors, il y en a plusieurs. On a qui commence. D'abord, c'est une femme qu'il faut rapidement intuber pour double raison. Parce qu'elle risque l'inhalation et elle risque l'intubation difficile. Le massage cardiaque externe doit être plus haut situé. Il n'a pas été dit que la palette de défibrillateur se compte sous le sein gauche, un peu haut en axillaire. Ok. Il faut enlever les sangles du RCF lors de la défibrillation. Il faut éviter la compression aortocave. Et enfin, rapidement considérer l'extraction fœtale. C'est bon? C'est bon? Et là aussi, égalité parfaite. Donc, Toto, qui a gagné le jeu de confort? C'est les citrons. Très bien. Donc, les citrons, vous venez de gagner le premier jeu de confort. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi votre confort? Ouais. Alors, là, arrêtez. Les citrons, votre confort. Vous aurez le droit de garder votre coach pour les réponses, le cas de l'immunité. Par contre, les rouges, vous allez jouer sans coach. Donc, je vais... Les rouges, vous allez jouer sans coach. Donc, on va te demander de rester silencieux pendant toute la procédure. Ça marche? C'est bon? Oui. Donc, on a commencé tout à l'heure par les citrons, par les framboises. D'abord, Adine Douzou parlait citron. Et on va passer à l'épreuve d'immunité. Cette fois-ci, on va voir qui va être éliminé. Ça marche? Alors, Péniflo? Oui. Bye. Je vais t'éjecter. Quand même, franchement, un pas sexe.
Alors, je vais couper le son. Et je vais... Moi, je pense qu'on va nous séparer en équipe. Aussi. Bien sûr. Oui. Allez, et je vais commencer cette fois-ci par les citrons. Ça fait? Allez, citron, il est beau. Rebonjour. Rebonjour. Vous êtes prêts? Alors, vous pouvez répondre tous ensemble, c'est bon? Alors, écoutez. D'accord. Alors, notez bien. Vous êtes de garde au déchocage et le traumato de garde vous ramène en grande urgence un patient à qui il était en train de faire une attelle pour fracture de l'infimur droit. Le patient avait vraiment mal avant juste qu'il se dégrade. Ça fait? On est dans un traumato quand il dégrade la tête, quand il y a une fracture. C'est dégradable. J'ai dit, j'ai le déchocage. Ça fait? Vous avez compris? Oui. Que faut-il faire rapidement? Allez, rapidement. Les FMM. Les FMM, très bien. Voici vos FMM. Qu'est-ce que vous en pensez? On débute le massage cardiaque. Là, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au FMM? C'est un arrêt cardio-circulatoire. Instable. Avec asystolie. Donc, c'est un rythme non choquable. Très bien, c'est un rythme non choquable. Que faut-il faire maintenant? J'ai voulu le trauma. Que faut-il faire? On commence précocement le massage cardiaque. Quoi d'autre? On alerte. On prend la voie V2, on est dans un hôpital. Allez-y. On est en urgence. Oui. On prend la voie veineuse. Oui. Donc, sédation. Il est déjà sédaté. Il est inconscient. Il est en arrêt. On intube. On prend la voie veineuse. Quoi d'autre? Intubation en urgence. On intube. On prend la voie veineuse. FIO2 à 100%. Le but, c'est de viser une saturation pulsée supérieure ou égale à 96%. Quoi d'autre? Alors, il est en asystolie, donc on peut commencer d'emblée la... L'adrénaline à 1 mg. Très, très bien. Donc, on va faire 3 minutes. Allez, on va faire tout ça, bien évidemment, pour faire de la réanimation cardio-pulmonaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, pardon? Non. Maïma, elle n'est pas avec nous. Ben, alors là. Certes, elle nous a dit qu'on croise, mais il faut l'ajouter. Je continue à dire. Allez, Nadja, Nadja. Ok, le passant avec. La connexion à Khaira. Vous avez réanimé ce malade. Il a récupéré un pouls. Mais sa pression reste toujours imprenable. En quoi ça va consister chez ce patient la réanimation pour arrêt cardiaque? Allez, donc, le but. Un remplissage vasculaire avec des inotropes positifs. Très bien. L'introduction de la noradrénaline. Noradré avec remplissage 20 cc par kilo. On va remplir une noradré. En 20 minutes. On va sédater le patient. On va sédater, très bien. Quoi d'autre? Et on va faire une hypothermie protectrice. On va faire des hypothermies protectrices. Et on va donner des anticonvulsivants. Et on va donner des anticonvulsivants. Quoi d'autre? Contrôler la température et la pression et la SPO2. Excellent, bravo. Donc on va jouer sur ça. Et garder une bonne glycémie. Très bien, très très bien. C'est tout ça, d'accord? Écoutez. Le patient s'est stabilisé. Vous l'avez récupéré, vous l'avez rempli, vous l'avez mis sur noradrénaline. Donnez-moi au moins 6 causes d'un arrêt cardiaque dans un contexte de traumatisme. Allez. Donc, le premier qu'on peut évoquer, c'est déjà la thrombose pulmonaire, enfin, embolie. L'hypovolémie, c'est la première, l'hypovolémie. Oui. L'acidose. Dans ce contexte. Non, pas vraiment. Allez. La tamponade. L'hypercaliémie, vu le trauma. S'il avait un crash syndrome. Oui, c'est possible, oui. L'hypoxie, s'il a inhalé
l'hypothermie s'il est resté longtemps sans qu'on vienne, sans qu'on s'en aperçoive. Ah, sure, mais هذا يلا جا التروماتوغراف فايق على راه على رجلي كنت يدير ليه كنت يدير لا تير ويدير ليه لا ريكارديا. Un problème. L'hypoglycémie. J'ai demandé d'aller sur un brancard. Il y a une jaffaire pour couler. L'hypoglycémie. Oh, si vous voulez. C'est tiré par les cheveux. C'est tout? Il n'y a pas de contexte hémorragique. L'hypovolémie. Allez. L'hypovolémie, l'hypoxie, l'hypercalémie et la thrombose. Oui. Et la tamponade, qu'elle soit vraie ou gazeuse. Alors, très bien. Anna, je vais revenir vers vous tout à l'heure. Ça fait? Je pars à la deuxième partie d'elle. Il y a le carnique. Ça fait? À tout à l'heure. Mais sinon, c'est ça. Allez. Alors, Hamza, tu vas te taire. Et on va commencer le cas clinique de l'immunité. C'est bon? Vous êtes prêts? Oui. 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 Très bien. Alors, écoutez. Vous êtes deux gardes, en déchocage. Le traumato qu'on fait d'un fois, il est délié la telle. C'est quand tu as une fracture. Tu sais, je suis GTGVB, comme déchocage. Mais je bouge. Le patient s'est dégradé. Vous avez compris? On est déjà pour fracture, j'ai un traumato, quand il délai la tête, quand il fait le halak, il faut le patient. Je suis dégradant, je dis GVB. C'est vrai? Oui. Allez. Quelle est votre conduite initiale? Est-ce qu'il y a un pouls? Est-ce qu'il respire? Initialement. Déjà le patient de tension. ABCDE. Oui, alors ABCDE, ça veut dire quoi? Vous voulez. Alors, on va voir les voies respiratoires si elles sont libres. S'il est encombré, on va aspirer. Oui. D'accord. On libère les voies aériennes, une subluxation de la mandibule. Alors, en B, on voit la respiration, la fréquence respiratoire, la saturation, s'il y a des signes de lutte respiratoire. Oui. En C, on va voir tout ce qui est circulatoire. Donc, on va voir la fréquence cardiaque, on prend la pression artérielle. On va voir s'il y a des signes de mauvaise... Pardon? Donc, tout ça, c'est quoi? C'est le FMM. Allez, voici, c'est FMM. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on s'en va, c'est R. Donc, le patient est en arrêt cardio-respiratoire. On va alerter. Vous êtes déjà à l'hôpital. Dès l'arrêt cardiaque, la salle de traumato, j'ai voulu comme le déchocage, d'accord? Oui. C'est bon? On est bien d'accord? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? On va commencer le massage, on va mettre on le massage et on va commencer le massage cardiaque externe. Quoi d'autre? On demande le défibrillateur. Il est en asystolie. Donc on donne l'adrénaline d'emblée. Oui. À 1 mg toutes les 3 à 5 minutes. Oui, quoi d'autre? Défibrillateur. On va intuber le patient. On va intuber le patient. Quoi d'autre? Intuber, sédater. Ensuite, avec induction à séquence rapide. Non, il est déjà en arrêt cardiaque. Pas de séquence pour l'arrêt cardiaque. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un massage cardiaque, on a administré l'adrénaline, on a intubé le malade. Qu'est-ce qui reste d'autre? On doit assurer un remplissage qui est correct avec une couverture d'adrénaline par la suite. Après les. Très bien. Très bien dit. Donc, on va faire de la réanimation cardio. Pulmonaire. Alors, regarde, vous l'avez bien réanimé. Regardez ce qui va se passer pour le patient. Il récupère une bonne pression artérielle. Un pouls. Mais la pression reste imprenable. Yeah. Ça va consister d'abord à la réanimation post-arrêt cardiaque. En remplissage vasculaire avec administration de la noradrénaline. Quoi d'autre? Une hypothermie thérapeutique. Des anticonvulsivants aussi. Oui. Pour la saturation. Oui. Il faut sédater le patient. Il faut sédater le patient. Et quoi d'autre? Un bon remplissage. Vous l'avez dit. Avec noradré. Et avec un objectif de pression artérielle systolique à 120 mm de mètre. Oui. Qu'est-ce qu'on a oublié? L'hypothermie. La gueule, tu vois. Il faut anticonvulsivant GNA. Anticonvulsivant GNA. Bonne saturation. On a parlé de l'oxygène. C'est bon, j'avais dit. C'est la magnitude de la saturation. Sédation. C'est bon. Allez. Il manque. Voilà. Alors, regardez. Allez, c'est une question à pas. Le malade s'est stabilisé. D'abord, je suis à fond. Allez, je donne l'arrêt cardiaque. Citez-moi.
si diagnostic, si cause un arrêt cardiaque, le contexte d'un traumatisme. Il y a une chose dans un trauma ou dans l'arrêt cardiaque. Allez, je vais dire. Citez-moi si. Allez. Pneumothorax compressif. Oui. Pneumothorax compressif. Pneumothorax compressif. Oui. Hypovolémie. Par embolie graisseuse. Embolie graisseuse. Hypovolémie par hémorragie. Comment? Une hypovolémie par hémorragie. Très bien. Embolie graisseuse. Embolie graisseuse. Un très bon mot-clé que vous avez cité là. Quoi d'autre? Oui. Tamponade. Tamponade et. Une contusion myocardique. Très très bien, oui. Une contusion myocardique, c'est possible. Une hypercalémie due à un crash syndrome. Très bien, tu vois. Un trauma crânien grave. Un trauma crânien grave. Bravo, ouais, bravo. Excellent. Une lésion médulaire. Tu vois, il a quand même. Oui, oui, section médulaire. Très très bien. Prête le comouhda parce que vous raisonnez. Hypoglycémie. C'est une vignette clinique. Une intoxication aux anesthésiques locaux, si. Une hypovolémie par hémorragie. Très possible, très possible, Marianne. Bravo. Alors, je vais partir chez les autres. Ça fait? Ça marche. D'accord. Allez. Est-ce que. Est-ce qu'il. Allez. On continue? Oui. Oui. D'accord. J'ai une petite mauvaise nouvelle pour vous. Ils ont dit beaucoup de mots-clés. Donc, il faut récupérer sur la deuxième partie. Sinon, le premier éliminé, ça va être un citron. C'est pas grave, on va assurer. Allez, go. Hachichfna. Finalement, devant un arrêt cardiaque traumatique, je pense à un très fameux moyen mnémotechnique qui réunit les causes les plus fréquentes. Comment s'appelle ce moyen mnémotechnique? Marouf. Ce n'est pas un arrêt cardiaque, Adi. Un arrêt cardiaque, trauma. Un ACF traumatique. Oui. Ou un moyen mnémotechnique qui réunit les causes de l'ACF traumatique. Oui. Alors, je vais vous le dire, allez-y. C'est hot. Chaud. Hot. Ah, aucune idée. H, hémorragie. O, oxygénation et ça peut être tamponade vraie ou gazeuse. Ça marche? Ça marche? Allez. C'est bon. Je continue. Oh mince, il y avait une question essentielle à poser à ce traumatologue. Laquelle? Est-ce qu'il y a un trauma grave, un signe de gravité? Le signe de gravité, c'est quelqu'un qui prenait un motocycle et qui s'est renversé. Mm-hmm. Alors, signe de gravité. Ah, c'est les galines de traumato. Quand il portait un rempart ou une fracture du fémur. D'abord, je pose des questions autres pour là. Là, d'abord, ça fait un débat. Barque, je n'ai pas la vignette clinique. Quand il faut un traumato, laquelle? Est-ce qu'il a fait la réduction? Et il a fait la réduction, c'est vrai. Ou pratique de les flatter. L'heure du traumatisme. Est-ce qu'il avait un pot? Non, il a un pot. J'ai la baisse, elle est là. J'ai la baisse, elle est. Et de l'arrêt cardiaque. Alors, je vais vous donner la réponse. Ah, oui, c'est bon, je pense. Est-ce qu'il a pu. Ah oui. Est-ce qu'il a introduit des anesthésiques, l'immobilisation par voie machine, par voie veineuse, ou par voie. Parentérale, genre. Je ne sais pas si vous avez compris la réduction. Par voie locale, c'est ma parvoie générale. Est-ce qu'elle a donné des anesthésiques locaux par voie générale? Non. Mais par contre, elle a donné des anesthésiques locaux pour une anesthésie locaux régionale. Elle a donné délai la réduction, elle a fait un bloc fémoral, c'est-à-dire j'injecte un produit anesthésique à côté du nerf pour la douleur, vous avez compris? Oui. Sauf qu'il n'a pas fait de. Oui. Ah, il y a la question. Avez-vous procédé à une saisie loco-régionale? D'accord? Oui. Alors, le traumato, il vous dit effectivement, il a donné les anesthésiques locaux pour l'analgésie et n'a pas fait un d'aspiration parce que le malade, et il s'est dégradé. D'accord? Quel est le médicament maintenant qu'il faut donner rapidement?
Un antiarythmétique. Non. Non, c'est l'intralipide. C'est intralipide. Ça s'appelle comme ça. C'est l'intralipide, c'est vrai. C'est l'antidote. Ouais. C'est l'antidote. Ouf. C'est l'intralipide, bien sûr, ce sont les émissions qui dansent. Okay. Dernière question. Le patient, il récupère un rythme normal. Il fallait quand même faire un examen pour être sûr qu'il n'y a que ça. Lequel? C'est un examen d'imagerie. Il fallait faire un examen pour être sûr que c'est l'intoxication aux anesthésiques locaux et à Tatou Hetchi. Quel est cet examen? Un examen d'imagerie est censé pour avoir des idées claires sur la cause de cette ACR. Une échographie. Une échographie. Quelle échographie? Cardiaque. Comment on l'appelle? L'écho. L'écho. Transthoracique ou la cardio. La néoaste. Non, mais. Écho pleuropulmonaire. Là, mais c'est plus pulmonaire. Il faut innocenter. Ah, la fast écho, genre balayer. La infast. C'est l'équivalent d'alphast pour le cœur. Comment on l'appelait? Alors, regarde. Beaucoup fast. Je vais fate. Fate. Focus, assist, transthoracique, écho. Attention, non. Bhal fast diel, l'abdomen. Vous avez compris? D'accord. Ifast, c'est-à-dire que le poumon. On a besoin d'une échographie rapide pour le cœur. Pour éliminer le chiffre qu'on a fait et pour être sûr que c'est une anesthésie locale. Ça fait? Baka, une dernière question, mais je vais revenir à l'autre groupe. Ça fait? Ok. D'accord. Peut-être pour l'instant. TDM cérébral. Et celui-là, on continue? Alors, oui. Allez, écoutez. Finalement, vous avez cité pas mal de diagnostics, Mziani, et vous avez pensé à une intoxication des anesthésiques locaux. Très, très bien. Devant un arrêt cardiaque traumatique, je pense à un moyen mnémotechnique qui réunit les causes de toutes les causes. Smith a du moyen. Allez-y. Allez, écoutez, le moyen c'est hot, ça fait hot, comme chaud, hémorragie, oxygénation, tamponade. La marloufa de moyen mnémotechnique, surtout la littérature française. Hémorragie, oxygénation, tamponade. Ça marche? Ouais. Très, très bien. Alors écoutez, François, tu m'as déjà dit que tu fais, mais. Il y avait une question essentielle à poser à ce traumatologue. Laquelle? S'il a utilisé des anesthésies. Des anesthésies, exact. Très, très bien. C'est où ça? Il a utilisé où? Pourquoi il devrait utiliser des anesthésies? La fracture du fémur. Le bloc fémoral. Alors, justement, il fallait poser la question au traumatologue. Est-ce qu'il a fait un bloc fémoral? Et à votre avis, quelle était sa réponse? Oui. Alors voilà, lisez. Le traumatologue vous dit qu'effectivement, il a réalisé un bloc fémoral par injection d'anesthésie locale dans la région du pli de l'aine, mais que la douleur du patient n'a pas cessé. Au contraire, elle s'est dégradée rapidement. Ça veut dire que ça n'a pas été efficace, qu'on a défibrillé. D'accord? Oui. Que faut-il administrer maintenant chez ce patient? Les intralipides. Tu as une idée sur la dose? 3 mg par kilo en bolus. 3 mg ou 3 cc? 3 mg, je pense. Non, c'est un peu moins. C'est 3 cc. Voilà, 3 cc par kilo d'intralipide. Très, très bien. Il fallait donner l'intralipide. À 20%. Alors, dernière question. Avant-dernière, pardon. Le patient, il a récupéré, tout va bien, mais on voulait être sûr qu'il y ait une réelle intoxication de l'anesthésie locale. Quel examen d'imagerie fallait réaliser pour être sûr? CDM cérébral? Non, je ne sais pas. Le TT. Le TT, oui. Le TT. Échange Simua. Échange le contexte. Échange Simua. De. Échange L'équivalent de ça?
L'équivalent de face pour le cœur, qu'est-ce que c'est mieux? Efface. Là, il a dit efface, fait à tel moment. La flash ETT. ETT, flash ETT. Elle est stade. Elle dit flash. Flash ETT. Flash ETT, oui. Voilà, facile. Alors écoutez. Éco-hémodynamique. Fate. Ça s'appelle Fate. Là, il y a un petit peu de focus, assist, transthoracique, écho. Vous avez compris, hein? Oui. Bah, une toute dernière question. D'accord? Écoutez, comment s'appelle l'arrêt cardiaque qui est dû à un impact brutal au niveau de l'air cardiaque? C'est-à-dire, c'est une cause de l'arrêt cardiaque traumatique. Qu'est-ce que j'ai fait une balle de tennis? C'est drôle. Est-ce que vous avez une idée? ولا بحال دوك ديال التيكواندو تجي شي دقه في الصدر عاديه حتى تطيح تي ديال اري كاديا ولا بال دو بيسبول كومون ابيل لا باثولوجي سي با ريكس سي لو كولموسيو كورديس نو اوكي واي تو ليز ا سوفي كول لو شوك سور لو كور كولموسيو فوالا سي لو كولموسيو كورديس alors je vais partir leur poser cette dernière question avant de vous dire qui a gagné le jeu d'immunité. D'accord? À tout à l'heure. Celui-là. Allez, la toute dernière question, les amis. Oui. Dernière question. Comment s'appelle l'arrêt cardiaque qui est dû à un impact brutal au niveau de l'air cardiaque? Il te dit fichier balle de baseball, la chidarba du taekwondo, la tennis, tu dis, il faut dans le cœur, ça te fait. Comment on appelle cette pathologie? Transfusion myocardique? Là, parfois, tu connais un impact brut, mais je ne sais pas. C'est l'une des causes rares de l'arrêt cardiaque. Comment on l'appelle? Un cardiaque, tu as un impact brutal au niveau de l'air cardiaque. Avec le baseball, quand il rate une balle, parfois tu es déjà en fidèle. Ça occasionne un arrêt cardiaque. Oui. Comment on appelle cette pathologie? Je vais donner la réponse. Non, deux secondes. Attends, une petite. Non, parce qu'il faut répondre rapidement. On a un délai. Contusion cardiaque, non? Non, en fait, ce n'est pas des impacts qui sont vraiment très importants. Mais je suis ta côte sur vous. Non. La destination est faite. Allez, je vous donne la réponse. Ça commence par un C ou 7. À l'emporter de pièces. Je vous donne la réponse. C'est le commotio cordis. Cordis. C'est bon? Donc, l'épreuve d'immunité a fini. On va partir se rassembler ensemble pour vous donner là le résultat. Ça fait? Désolé, vraiment. Comment vous vous connectez? Premier truc à faire. Allez, taisez-vous. Oui. C'est bon? Oui. Alors, on va récapituler rapidement. Ça fait? Oui. De toute façon, là, vous avez dit beaucoup de bonnes réponses. Donc, bien évidemment, au départ, on va faire les FME. Il y a qu'à dire bien, oui. Ensuite, on va faire la réanimation cardio-pulmonaire. Oui. En fait, on va faire la réanimation post-arrêt cardiaque, l'IFA, les 5 mesures. Remplissage et vasopresseur, bonne sédation, hypothermie, traitement anticonvulsivant, assurer une bonne sédation. C'est bon? Alors, les 6 causes. Ça peut être de l'hémorragie. Ça peut être un problème d'oxygénation. Ça peut être une tamponade vieille ou gazeuse. Ça peut être un rachis cervical.
Ça peut être un engagement amygdalien, un trauma crânien grave. Ça peut être une embolie graisseuse. Il y en a, je finis avec ça. Oui. La galo a un groupe. Et ça peut être une intoxication aux anesthésiques locaux. D'accord? Mais ça est en retard par rapport à un groupe par rapport à l'autre. Ça marche? Allez. Alors, normalement, la framboise, ils ont tout cité. À ce stade-là, la framboise avait tout cité. Mais on continue. Le moyen mnémotechnique, c'est Wahd Majaoub, c'est haute hémorragie, oxygénation, tamponnade. La question à laquelle il fallait penser, c'est quoi? Est-ce que ce traumato a donné un anesthésique local? Alors, citron, on ne donne pas un anesthésique local pour un anesthésique par voie générale. On le donne en loco régional. C'est ce que nous appelons le bloc. Ça marche? Bien sûr, la bonne réponse a été dite par les deux équipes. Il faut donner de l'alpalipide. Allège, elle a des émissions lipidiques, elle capte les molécules d'anesthésique. Et en plus, la lidocaïne, elle est lipophile. Que fallait-il faire comme examen à la fin? C'est le FAIT, Focus Assist Transthoracic Echo. Et la dernière question, la framboise a bien répondu d'emblée. Comment s'appelle l'arrêt cardiaque qui a un impact brutal? C'est le commotio cordis. Ça marche? C'est l'une des causes très rares de l'arrêt cardiaque traumatique. Je vais arrêter le partage. Est-ce que vous êtes tous là? Oui. Oui. Ouais. Alors, pour ce premier jeu d'immunité, je déclare la victoire pour la framboise. Ouais. Ouais. Allez. La framboise. Je framboise. 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 Finalement, framboise. Non. Je vais vous éjecter là-bas de la réunion. Bye bye. Je vais vous éjecter. Voilà. Vous ne devez pas assister à leur conseil. D'accord. Bon courage des hommes. Monsieur, on quitte. Là, alors, chauffe les rouges, la framboise, quittez ou là, je vous supprime. D'accord. La framboise, quittez. La framboise, quittez complètement. Très bien. Est-ce qu'on est contre citron? Est-ce que on est combien? C'est bon, d'abord c'est bon. Alors, Mehdi, tout le monde, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous rendre tous muets. Je vais vous désactiver. Alors chacun, écoutez, chacun de là écoute d'abord qui veut qu'il soit éliminé dans son équipe. Blame Wally. Blame Wally. Tenben. Allez. Je vous donne 10 secondes. Chacun écrit qui veut qu'il est éliminé dans son équipe. Allez-y. Je sais que c'est très dur, je sais. Sauf le coup. C'est pas évident, franchement. Eh bien, c'est ça qu'on l'entend. Frère, je suis heureux. Ça va pleurer. Je vois Zineb de Rabat en train de pleurer, peut-être. Toto? C'est bon, tout le monde a fait le nécessaire, rien? Non. Là, il faut faire vite. Mais on peut être neutre. Non, il faut mettre un nom. On ne peut pas être neutre. Non, c'est ça qu'on entend. Soyez stratège. Comment? Je suis tout conversé peut-être? Je suis tout conversé peut-être? Je n'ai pas de message conversé, c'est bien les cons? Oui. Tu vois, à Ktibou Amou Hawi Mohamed, vous m'envoyez un message Elana privé. Vous mettez le nom que vous avez voté. Vous avez compris? Ça a bugué pour moi aussi. Waha. J'entends plus le. Anna, t'as-tu m'a? T'as-tu m'a? Non, professeur, on ne vous a pas entendu.
بس معلاش اش قلت كسر نعاود نعاود وي ايكوتي كاين واحد لو بوتون فيه كونفيرسي شفتو لتحت كونفيرسي شفتو وي كليكي دسو كليكي دسو غيبان لكم واحد البلاصه تديروا فيها لي ميساج بان لكم وي كاينه فيها وحده ا صيفطوا لي غير انا صيفطوا لي غير انا بوحدي صيفطوا لي لو نوم كو فازافي مي اليزي صيفطوا غير مهاوي محمد ما صيفطوش الاخرين انا اللي غنشوف اليزي كل مون دو ميتر لو نوم دو لا بيرسون كيل فو كيل سوا اليميني Le coach, toi, tu ne votes pas pour le moment, ça fait que les 8, que les 8. Allez-y, très bien. Un premier nom sort, Zid. Je ne vais pas dire qui a voté quoi, ne vous en faites pas. Parole d'homme. Allez-y, tout le monde, j'ai 3 votes, j'ai besoin de 5 autres votes. Envoyez en privé. Allez-y. Allez-y. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, il y a un vote. Alors, Alors, Zineb de Kaza a voté. Uthman a voté aussi. Yasemin a voté. Sed a voté. Ntissar a voté. Montasser a voté. Zineb a voté. Qui reste? Omeima. Tu as voté aussi, Maïma? J'ai voté. Très, très bien. Alors, je vais dire les votes dans le désordre. C'est bon? Alors, premier vote, Sed. Mehdi, tu n'as pas de chien à faire? Mehdi, tu n'as pas. D'accord. Premier vote, Sed. Deuxième vote, Zined de Rabat. Troisième vote, Yasemine. Quatrième vote, Zineb de Rabat. Cinquième vote, Montasser. Sixième vote, Omeima. Septième vote, Yasemine. Donc, pour le moment, nous avons 2 votes pour Yasmine et 2 votes pour Zineb de Rabat. D'accord? Donc, le dernier vote peut être décisif. Alors, le dernier vote, c'est contre Zineb de Rabat. Donc, Zineb, les aventuriers ont décidé de vous éliminer et leur sentence était irrévocable. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, Zineb? كنت متشرفة بهاد المشاركة في هاد التيكلانتا تعلم شحال من حاجة غير اليوم والحمد لله عجبني الحال وما كرهتش نكمل ولكن الحمد لله عجبني الحال استفدت بزاف ميرسي بوكو بور تان فيت وكنتمنى لكم انكم تشاركوا انكم تربحوا برافو بور تان فيت بلاي اون فا لابلودير De toute façon, la radio de Tchouk, un peu en différé, c'est pas grave, c'est ça le jeu, ce n'est qu'un jeu, ça fait. Ça marche? D'accord. Tout va bien. Et on se voit demain pour l'épisode numéro 2. Ça marche? Ça marche? Bye bye, allez. Oui, ça marche. Ok, yes.